Ça s'est passé chez Coé. Bon alors, voici les phrases que tu vas dire, ton père. Je ne vais pas rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Tu vas être grand-père, panique pas, il te reste 9 mois. Du coup, je vais arrêter l'école, je ferai des petits business. Mes potes disent que t'as une voiture de portugais. Quand qu'on parle un jour quand même, on lui demandera à ton père d'où vient cette haine du portugais. Charmant. Qui est quand même extrêmement sympathique. Ah autant des fois, il y a des endroits dans le monde et des mecs dans le monde, tu peux pas dire qu'ils soient très... Mais les portugais sont adorables. Ah non, ils sont hyper sympathiques. Ils font de la belle morue. Ah bah ils font pas que ça. Bah ils font pas que ça. C'est comme si tu disais que les Italiens ils font que des pâtes. Ils font pas que ça non plus. Ils font aussi des raviolis. Bon, c'est vrai que le raccourci. Les Portugais font des bonnes rues. Bon, bah, je t'ai caché un truc. Je me suis fait percer la langue. Et la dernière, tu me fais pas peur, trou du cul. Bon courage, bonne chance. On appelle ton père, soit en pleine forme et soit bon. Tout ça c'est pour rire. Merci. De rien. Je fais une bise à la Belgique. On est numéro 1 tous les soirs. Le Portugal aussi. Allô? Allô, papa? Oui. C'est Sébastien? Oui? Ouais, je suis chez Pignou, ça va? Ouais, je suis avec les copains. Je suis chez Pignou! Oui. Avec les copains, bah non, ça me fait rire parce que t'as un pote, ils disent que t'as une voiture de portugais. Et ouais, que je te le dise. Bah, je comprends rien ce que tu me dis et je sens. Je sais pas pourquoi, ouais, que je sens que je sens que tu vas te m'énerver. Je t'écoute. Oui. La pote me dit que t'as une voiture de portugais. Qui? La pote, papa, s'il te plaît. Qui? Tu connais la pas, pote, hein? Pote, ah, de portugais pas. Bah ouais, enfin, ouais, connerie. Enfin, soit, tu m'écoutes? Bah ouais, oh. T'écoutes, Sébastien. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il faut venir te chercher, c'est ça? Ouais, 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 je vais arriver, je vais raccrocher, je vais arriver, pourquoi, je savais que t'allais m'énerver aujourd'hui. Ah, mais t'inquiète pas pourquoi, je t'écoute. Tu me fais pas peur, un truc de cul. Martien, j'arrive. J'arrive. Bah non. Si, j'arrive. Tu vas voir, faire le trou de cul. Tu vas voir. Ouais, mais papa, c'est t'en rien. T'as dit à ton père que c'était un trou de cul? Tu l'as dit ou pas? Ouais, mais papa, je suis pas là. Hein. Bon. C'est pas fait. T'as dit à ton père que c'était un trou de cul? Tu l'as dit? Ouais, mais... Bon, c'est ouais, qui, c'est là? C'est qui, c'est là? C'est un copain. Un copain? Ouais. Attends, j'arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Trou de cul. Vous êtes qui, vous, monsieur? Un copain à qui? Un copain à votre fils. T'es avec la voiture un copain portugais. À mon fils, et vous me traitez de trou de cul? C'est le monsieur qui a la voiture de portugais? La voiture de portugais? Déjà, les portugais, ils ont un drapeau de portugais, et moi, j'ai pas de drapeau. Ça, c'est déjà la première chose. Les portugais, ils ont toujours un drapeau de portugais, et moi, j'ai pas de drapeau de portugais. J'ai du jamais vu, hein, ça. Bon, repassez une fois, mon fils. Oh, bah, on s'en fout bien avec vous. Hein. Bastien? Oui. Bastien, c'est arrivé. Ouais, papa, écoute, pas avec la voiture de portugais. Pas avec la voiture de portugais, hein. Bah, c'est bon, je suis là demain matin. Bah, Sébastien, je vais arriver. Je vais. Mais, après, demain matin. Pas la voiture de portugais. Je vais prendre la voiture de portugais. Bastien, prépare-toi parce que je vais arracher ta tête, je vais la mettre ici dans le puits. Tu vas voir. Ouais, demande à ton père s'il met un petit drapeau sur la voiture. Papa, demain. Non, moi, je mets un drapeau sur la voiture. Demain matin, je viens, on en parlera, c'est tout. Oui, on en parlera de quoi? Il faut on va parler de quoi? Faut le temps que ça langue, elle cicatrise. Écoute, on va. Mais c'est qui celui-là? Pas possible, hein, Sébastien. C'est un copain. Oui. Un copain? Ben, dis-lui qu'il attend que j'arrive. Attends, j'arrive. T'as qu'à dire à père qui prenne le bus. Sébastien, je vais arriver. Sébastien, je vais arriver et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Faut ta tête dans le puits. Bastien, je vais arriver, ça va? T'es où? C'est chez nous? C'est lui qui fait rire. Je vais prendre la voiture de portugais, je vais arriver. Ah non, c'est pas une voiture de portugais. Écoute, demain, non, parce que vous avez pas de drapeau. Écoute, demain matin, je viens. On parlera demain matin, c'est tout. T'as qu'à prendre ton jour de congé, hein. Bastien, s'il n'y a pas demain matin, je vais arriver et je vais t'attraper. Ah, de toute façon, le trou dans la langue, il est fait, vous n'allez pas le reboucher, et puis vous n'êtes pas portugais. Non. Si, je vais le reboucher, je vais le reboucher. Ça va être sûr et certain que je vais reboucher le trou. Ah, c'est pas possible. Voilà. Avec le drapeau de portugais, je vais le déboucher, moi, le trou. Tu vas voir, comment vite cette fois. Il est bon, Ruben. Hey, excellent. Papa. Bon, je vais arriver. Papa. C'est bon, Sébastien, parce que tu m'as déjà mis le nerf. Non, c'est pas Sébastien. Enfin, si, c'est un autre. Papa. Oui, je t'écoute. Comment ça va? C'est pas Sébastien qui parle. Enfin, c'est un autre Sébastien, mais c'est pas ton fils. Ah, je vous écoute. Comment allez-vous? Ça... Moi, je me. Ah oui, quand vous aurez le drapeau, ça ira mieux. Moi, je m'appelle Sébastien Coé. Et on est sur énergie, dans toute la France, dans toute la Belgique. C'est une blague. Et dans toute la Suisse, c'est le reste du monde.
Et tout ce que vient de dire votre fils, c'était que pour rire. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Ruben? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Je ne sais pas, mais je sentais que t'allais m'énerver aujourd'hui.